Annenberg Media. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Robert and Mireille are talking about family names, like Taylor, that are also names of trades and professions. They compare notes about their childhood ambitions, recalling their dreams of being a fireman, a sailor, a nurse, an actress. Paris, au printemps. Il y a des fleurs dans le jardin du Luxembourg. Une petite fille joue gentiment avec son bateau. Il est 10 heures du matin. Au Sénat, les sénateurs discutent. Dans le jardin, sur un banc, deux jeunes gens parlent. Qui sont ces jeunes gens? Ah, mais c'est Mireille Bello et Robert Taylor. Vous vous appelez Taylor? Mais ça veut dire tailleur en anglais, ça. Je ne sais pas. Mais si, Taylor, ça veut dire tailleur en anglais. Mais tout le monde sait ça, My Taylor is Rich, c'est dans tous les livres d'anglais. Oui, non, bien sûr. Mais je veux dire, mon nom s'écrit avec un Y. Et le mot anglais pour tailleur s'écrit avec un I. Mais ça ne fait rien. C'est sûrement la même chose. L'orthographe, vous savez, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui ont un nom de métier. Tenez par exemple Boucher. C'est un nom propre, un nom de famille. Il y a des tas de gens qui s'appellent Boucher. Comme Boucher, le peintre du XVIIIe siècle. Ou Hélène Boucher, par exemple, c'était une aviatrice. Et Boucher, évidemment, c'est aussi un nom de métier. Le boucher qui vend de la viande. C'est comme ça qu'une fois, je me souviens, j'ai vu sur une pharmacie Monsieur Boucher, pharmacien. C'était un monsieur qui était pharmacien de son métier, mais qui s'appelait Boucher. Et vous avez déjà vu sur une boucherie Monsieur pharmacien Boucher? Ah non, pharmacien, c'est un nom de profession, de métier, mais ce n'est pas un nom propre. Personne ne s'appelle pharmacien, que je sache, ni informaticien. Mais il y a des tas de gens qui s'appellent boulanger, comme celui qui fait du pain, ou charpentier, comme celui qui fait les charpentes. Gustave Charpentier, par exemple, c'était un compositeur. Messager aussi, c'est un nom de métier, celui qui porte des messages ou des marchandises. Et c'est aussi un nom propre. André Messager, c'est un compositeur. La 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 la. Charbonnier, quelqu'un qui vend du charbon. C'est aussi un nom propre. Et aussi forestier, couturier, bouvier. Bouvier? C'est un nom de jeune fille de ma mère. Mais ce n'est pas un nom de métier. Mais si, bien sûr que c'est un nom de métier. Enfin, c'était un nom de métier, autrefois. Le bouvier, c'était celui qui conduisait les bœufs. Évidemment, aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup en France. Profession bouvier, ça ne se dit plus beaucoup. On parle plutôt de conducteur de tracteur. Chevrier aussi, c'est un nom de famille. Le chevrier, c'est celui qui s'occupe des chèvres. Et puis il y a aussi berger, comme celui qui s'occupe des moutons. Et puis mineur, marin. Marin, c'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. Ouais, c'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite? Je voulais être infirmière et actrice. Infirmière pendant le jour et actrice le soir. Moi aussi, j'avais des idées plutôt bizarres.
Quand j'étais petit, quand j'avais 7 ou 8 ans, je voulais être pompier. Pour rouler à toute vitesse dans les rues et faire beaucoup de bruit. Monter en haut de la grande échelle et plonger dans une fenêtre ouverte qui crache des flammes et de la fumée. Et sauver les bébés endormis au milieu des flammes. Les règles ! Mais d'où tu sors comme ça ? Du bassin. Tu vas aller plonger dans le bassin ? Non, pas vraiment. Je suis tombée, j'ai voulu attraper mon bateau, alors je me suis penchée, puis j'ai glissé, puis je suis tombée, voilà. Ah, c'est malin. Mais va te changer, allez, rentre à la maison tout de suite. Et tu avais mal à la gorge hier. Qu'est-ce que maman va dire ? Cette gamine, elle est insupportable. Heureusement qu'elle sait nager. Elle va sûrement devenir championne de natation. Ou bien elle va faire de l'exploration sous-marine avec l'équipe de Cousteau. On ne sait jamais. Non. On ne sait jamais comment les choses vont tourner. Aujourd'hui, Mireille et Robert parlent des métiers, des professions. Tailleur, par exemple, c'est un métier, une profession. C'est quelqu'un qui fait des vêtements pour hommes. Couturier, aussi, c'est un métier. C'est quelqu'un qui fait des vêtements pour les dames. Ça, c'est un tailleur. Ça, c'est un couturier. Ça, c'est une couturière. Observez. Papa, si tu voulais, tu pourrais être couturière. Couturier, si ça te dérange pas. Ouais, couturier. Peintre aussi, c'est une profession. C'est quelqu'un qui fait des tableaux. Courbet, par exemple, était peintre. Le boulanger, c'est celui qui fait le pain. Et sa femme, qui l'aide à faire le pain ou qui vend le pain, c'est la boulangère. Le charpentier, c'est celui qui fait les charpentes. Le boucher, c'est celui qui vend de la viande. La viande de bœuf, la viande de veau, la viande de mouton. Un charbonnier, c'est quelqu'un qui vend du charbon. Un pharmacien, c'est quelqu'un qui vend des médicaments. Un informaticien, c'est quelqu'un qui travaille avec un ordinateur. Une infirmière, c'est quelqu'un qui travaille dans un hôpital. Un marin, c'est quelqu'un qui travaille sur un bateau. Et un mineur, c'est quelqu'un qui travaille dans une mine pour extraire le charbon. Un compositeur, c'est quelqu'un qui compose de la musique. Un acteur, c'est quelqu'un qui joue au théâtre ou au cinéma. Un aviateur, c'est quelqu'un qui pilote un avion. Un conducteur de tracteur, c'est quelqu'un qui conduit un tracteur. Un chauffeur, c'est quelqu'un qui conduit une voiture. Un chauffeur de taxi, par exemple. Et un bouvier, c'est quelqu'un qui conduisait des bœufs autrefois. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup. Et puis, il y a aussi les bergers qui s'occupent des moutons. Les chevriers qui s'occupent des chèvres. Les forestiers qui s'occupent des forêts. Maintenant, nous allons demander à ce monsieur s'il connaît des gens qui ont des noms de métiers. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle boucher ? Le peintre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle charpentier ? Le musicien. Maintenant, vous allez parler. Écoutez ce petit dialogue entre Robert et Mireille et vous allez répéter ce que dit Mireille. Marin, c'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. Oui. C'est drôle, les idées qu'on a quand on est petit. Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite ? Je voulais être infirmière et actrice. À vous, maintenant. Oui. C'est drôle, les idées qu'on a quand on est petit. Oui. C'est drôle, les idées qu'on a quand on est petit. Oui. C'est drôle, les idées qu'on a quand on est petit. Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite ? Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite ? Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite ? Je voulais être infirmière et actrice. Je voulais être infirmière et actrice. Je voulais...
voulais être infirmière et actrice. Forestier, berger, bouvier, ce sont des noms de métiers. Mais ce sont aussi des noms propres, des noms de famille. Il y a des gens qui s'appellent Forestier, ou Monsieur et Madame Berger, ou Mademoiselle Bouvier. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui ont un nom de métier. Des tas de gens, beaucoup de gens. Un tas de gens, des tas. Tenez, regardez. Une personne, des tas de gens. Une orange, un tas d'oranges. Des fruits, des tas de fruits. Des pêches, des tas de pêches. Une cerise, des tas de cerises. Des gens, des tas de gens. Il y a des tas de gens, des tas d'hommes, des tas de femmes. Et puis des femmes. Il y en a des tas. Pas vrai, Antoine ? Il y a des tas de gens qui s'appellent Boucher, comme le peintre du XVIIIe siècle, ou Hélène Boucher, l'aviatrice, ou comme ce pharmacien, observez. Un pharmacien, une pharmacienne. Un informaticien, une informaticienne. Un technicien, une technicienne. Un technicien, une technicienne. Un pharmacien, une pharmacienne. Un boulanger, une boulangère. Un berger, une bergère. Un fermier, une fermière. Un infirmier, une infirmière. Un acteur, une actrice. Un aviateur, une aviatrice. Aviateur, aviatrice, ça ne se dit plus. Ça se disait autrefois, vers 1930. Mais maintenant, ça ne se dit plus. Ça se disait autrefois, ça ne se dit plus aujourd'hui. Ça se disait, c'est le passé. Ça ne se dit plus, c'est le présent. Ça se disait autrefois, mais ça ne se dit plus maintenant. C'est fini, terminé. On disait ça, ça se disait. Autrefois, on parlait d'aviateur. Maintenant, on ne dit plus aviateur. Aujourd'hui, on parle de pilote. Autrefois, on parlait de messager. Un messager, c'était quelqu'un qui portait des messages. Mercure, par exemple, était le messager des dieux. Aujourd'hui, on ne parle plus de messager comme profession. Mais il y a toujours des messages. Regardez, par exemple, Marie-Laure qui prend un message. Autrefois, le bouvier, c'était celui qui conduisait les bœufs. Aujourd'hui, on conduit des tracteurs. Quand Mireille était petite, elle voulait être infirmière et actrice. Elle était, c'est le passé. Elle est, c'est le présent. Elle voulait, c'est le passé. Elle veut, présent. Maintenant, Mireille est grande. Elle ne veut plus être infirmière ou actrice. Quand elle était petite, Mireille avait une poupée. Maintenant, elle a une petite sœur. Elle avait, elle a. Maintenant, voyons si vous avez compris. Autrefois, on disait ça. C'est le passé. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. C'est le présent. Bon, à vous. Autrefois, on conduisait des bœufs. Passé. Aujourd'hui, on conduit des camions, des tracteurs, des voitures. C'est le présent. Mireille voulait être infirmière et Robert pompier. C'est le passé. Robert veut aller au Pays Basque. Présent. Sa mère en parlait souvent. Passé. Il passait ses vacances aux Bermudes. Passé. Il passe un an en France. Présent. Il fait beau. Présent. Il faisait beau. Passé. Robert était étudiant aux États-Unis. Passé. Mireille est étudiante. Présent. Attention là. Robert
était étudiant. Passé. Mireille est étudiante. Présent. Elle sort de l'institut. Présent. Vous savez écrire sort? Ça s'écrit S-O-R-T. Ça s'écrit avec un T. Ça se prononce sort, mais ça s'écrit S-O-R-T. C'est une question d'orthographe. L'orthographe, vous savez, ça ne veut rien dire. Oh, enfin, tout de même, si, c'est important l'orthographe. Il faut savoir écrire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si, tenez, Madame Bello, elle, pense que c'est important l'orthographe. Elle pense qu'il faut savoir écrire, qu'il faut faire des dictées, des exercices d'orthographe. Il faut savoir comment les choses s'écrivent. Allez, écris orthographe. Orthographe? Oui, orthographe. C'est un exercice d'orthographe, une dictée. Comment ça s'écrit orthographe? Orthographe. Avec TH et PH. C'est simple. Alors, tu écris? Oui, oui, j'écris. J'écris? Tu écris? On écrit? Nous écrivons? Vous écrivez? Ils écrivent. C'est intéressant, l'orthographe. Tenez, regardez. On écrit. Troisième personne du singulier, présent. On écrit. Ça s'écrit avec un T. Eh bien, il y a beaucoup de verbes qui s'écrivent avec un T à la troisième personne du singulier du présent. On ne prononce pas le T, mais ça s'écrit avec un T. Par exemple, elle écrit, elle vit, elle sourit, elle dit, elle choisit, elle suit. Elle conduit, elle fait, elle sait, elle plaît, elle connaît, elle est. Il pleut, il peut, il veut, il faut, il doit, il croit, il voit. Elle part, elle sort, elle sert. Il y en a d'autres qui s'écrivent avec un D. Mais le D ne se prononce pas. Elle attend, elle entend, elle apprend, elle comprend. Mais il y a des verbes qui s'écrivent avec un E. Elle arrive, elle écoute, elle parle, elle commence, elle continue, elle essaie, elle s'ennuie. Et puis, il y a des verbes qui s'écrivent avec un A. Elle va, elle a. La troisième personne du pluriel se termine en général par E-N-T qui s'écrit mais qui ne se prononce pas. Ils arrivent, ils continuent, ils essaient, ils choisissent, ils apprennent, ils viennent, ils tiennent. Et il y a quelques verbes qui se terminent en ON, O-N-T. Ils ont, ils vont, ils font. Et Robert et Mireille, qu'est-ce qu'ils font? Ah, et Robert et Mireille, je les avais oubliés. Eh bien, Robert et Mireille sont sur leur banc au jardin du Luxembourg et ils parlent. Ils parlent de ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient petits. C'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite? Je voulais être infirmière et actrice. Alors, infirmière le jour et actrice le soir. Oui, être infirmière pendant la journée et actrice le soir, c'est une idée bizarre. C'est une drôle d'idée. C'est drôle. C'est amusant, non? Tenez, ça aussi c'est drôle. C'est amusant, non? Vous ne trouvez pas ça drôle? Et ça, vous ne trouvez pas ça drôle? Moi, je trouve ça drôle. Robert aussi avait de drôles d'idées. Lui, il voulait être pompier. C'est bien d'être pompier. Ça a des avantages. Parce que si vous n'êtes pas pompier, vous ne pouvez pas rouler très vite en ville. La vitesse est limitée. Vous ne pouvez pas aller à plus de 60 km à l'heure. Mais si vous êtes pompier, vous pouvez rouler à toute vitesse. Voici un homme qui roule à toute vitesse. En fait, il va trop vite. Tu vas trop vite. J'aime la vitesse.
Si vous n'êtes pas pompier, vous ne pouvez pas faire de bruit. Vous ne pouvez pas klaxonner. Allez, allez, venez vite. Et sans faire de bruit. Chut, chut. Mais si vous êtes pompier, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. Si vous n'êtes pas pompier, vous pouvez monter sur une chaise. Vous pouvez monter sur la table. Ou vous pouvez monter sur une petite échelle. Mais les pompiers, eux, ils ont de grandes échelles. Et si vous êtes pompier, vous pouvez monter en haut de la grande échelle. C'est plus intéressant, c'est plus exaltant. Si vous n'êtes pas pompier, vous pouvez plonger dans une piscine avec de l'eau. Ou bien vous pouvez plonger dans une piscine sans eau. Ou bien vous pouvez plonger dans la mer. Mais si vous êtes pompier, vous pouvez plonger dans une fenêtre qui crache des flammes et de la fumée et sauver des bébés endormis. Ou sauver les petites filles qui sont tombées dans le bassin du Luxembourg. Mireille ! Mais d'où tu sors comme ça ? Du bassin. Tu vas aller plonger dans le bassin ? Non, pas vraiment. Je voulais attraper mon bateau et puis j'ai glissé. Je suis tombée et puis voilà. Marie-Laure est tombée dans le bassin. Ici, Robert tombe d'un balcon. Ici, il tombe de cheval. Ici, la pomme tombe sur la tête de Newton. Et ce monsieur a les dents qui tombent. Regardez ce jeune homme, il va tomber. Marie-Laure est tombée parce qu'elle s'est penchée. Jean-Claude, tu veux te pencher ? Allez, allez, penchez-vous que je vous embrasse ! C'est dangereux de se pencher. On peut tomber. Regardez ce monsieur. Il se penche, il va tomber. Ça y est, il tombe. Il est tombé. Marie-Laure s'est penchée pour attraper son bateau. Ici, elle attrape Fido. Ici, elle a attrapé un serpent. Elle s'est penchée et elle a glissé. Lui aussi, il a glissé. Lui aussi, il a glissé. Regardez ce danseur. Il va glisser et tomber. Jean-Claude, tu veux glisser ? Elle s'est penchée, elle a glissé et pouf, elle est tombée dans le bassin. Heureusement qu'elle sait nager. Heureusement qu'elle sait nager ? Voilà une jeune fille qui sait nager. Lui, il ne sait pas nager. C'est bien de savoir nager. Marie-Laure sait très bien nager. Elle va devenir championne de natation. Ou bien, elle va faire de l'exploration sous-marine. En attendant, elle est toute mouillée. Elle est trempée. Elle va attraper un rhume. Elle devrait aller se changer. Allez, va te changer et rentre à la maison tout de suite. Voici une jeune femme qui va se changer. Voilà, elle s'est changée. Marie-Laure va se changer. Voilà, elle s'est changée. Elle n'a pas l'air d'une championne de natation, mais ça ne veut rien dire. Elle va peut-être devenir championne de natation. On ne sait jamais. On ne sait jamais comment les choses vont tourner. Non, on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Alors, voyons ce que vous savez. Si vous voulez acheter du pain, vous allez chez le boulanger. Mais si vous voulez acheter de la viande, eh bien, vous allez chez le boucher. Si vous voulez acheter des médicaments, vous allez chez le pharmacien. Si vous êtes malade à l'hôpital, qu'est-ce qui s'occupe de vous ? Une infirmière. Et si vous êtes un mouton, qui est-ce qui s'occupe de vous ? Un berger. Qu'est-ce qui a fait ce tableau ? Un compositeur ? Un boulanger ? Un pharmacien ? Un peintre. Un peintre du XVIIIe siècle qui s'appelait Boucher. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des tas de gens qui ont des noms de métiers, des noms de professions, comme boucher, par exemple. Aviateur, aviatrice, ça se disait autrefois, vers 1930, mais aujourd'hui, ça ne se dit plus. On parle plutôt de pilote. Et là, il y a
une orange. Et là, il y a un tas d'oranges. Regardez Robert et Mireille sur leur banc. Ils sont grands maintenant. Elle a 18 ou 19 ans et il a 20 ou 21 ans. Ils parlent. De quoi parlent-ils ? Ils parlent de ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient petits. Quand elle était petite, Mireille voulait être infirmière et actrice. Et Robert voulait être pompier. Est-ce que Robert est pompier maintenant ? Non. Est-ce que vous croyez que Mireille va être infirmière ? On ne sait pas. Elle fait de l'histoire de l'art, mais on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Non, on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Tiens, prenez la rencontre de Mireille et Robert. Ça peut mal tourner. Ou bien ça peut bien tourner. Oh là là, mais ça ne se fait plus, ça. Ça ne se fait plus. Moi, je crois que ça va mal tourner. Idiote. Imbécile. Idiote. Imbécile. Idiote. Imbécile. Idiote. Qu'est-ce que je vous disais? Je savais bien que ça allait mal tourner. Allez, au revoir. À la prochaine.